En France, on soigne bien, mais on n'est pas forcément en meilleure santé chez nos voisins. Le numerus clausus sera donc supprimé pour cesser d'entretenir une rareté artificielle et pour nous permettre de former plus de médecins avec un mode de sélection rénové et de renforcer la dimension qualitative et le niveau de formation des études de santé. Nous créerons des assistants médicaux, c'est-à-dire des professionnels qui assisteront les médecins. Ces personnels de santé accompagneront et déchargeront le médecin d'actes simples. L'objectif du quinquennat doit être au moins d'en déployer 4000. Ces fameux déserts médicaux qui sont aujourd'hui une source d'anxiété pour nombre de nos concitoyens. Aussi, je souhaite que, dès 2019, 400 postes supplémentaires de médecins généralistes à exercice partagé ville-hôpital puissent être financés et envoyés dans les territoires prioritaires, salariés par le centre hospitalier de proximité ou un centre de santé pour y proposer des consultations. Chaque hôpital devra se concentrer sur les soins pour lesquels il est le plus pertinent. L'organisation des activités des établissements s'adaptera donc selon trois niveaux redéfinis. Le soin de proximité, avec la médecine, la gériatrie, la réadaptation, les soins non programmés. Les soins spécialisés, avec la chirurgie, la maternité, la médecine spécialisée. Et les soins ultra spécialisés, ou les plateaux techniques de pointe. D'ici à 2022, ce système de tarification plus incitative au parcours et à la qualité des soins sera devenu la composante principale du financement de la ville et de l'hôpital, et nous en aurons fini avec la tarification uniquement centrée sur l'activité, qu'il s'agisse de la T2A d'une part ou l'exclusivité du paiement à l'acte.